Madame, Monsieur, bienvenue au hall du Père Arouenier et excellent lundi de Pâques. Vous le savez, traditionnellement, le week-end pascal est consacré aux finales de Coupe de Belgique en basketball, en handball et en volleyball. Dans à peu près 20 minutes, nous vous proposerons un large, très large résumé des finales de Coupe de Belgique de handball, tant dames que messieurs. Mais tout de suite, on commence avec le volleyball. Une finale, messieurs, entre Mazeik et Zonhoven et une finale, dames, entre Tongres et Kildrecht. Ambiance d'enfer pour cette finale de Coupe de Belgique. Messieurs, en rouge, l'équipe de Mazeik, tenante de la Coupe d'ailleurs, mais aussi championne de Belgique en titre, trois fois consécutivement d'ailleurs, 95, 96, 97, et toujours en tête du championnat de Belgique actuel. Elle va être opposée à une équipe de Zonhoven, en bleu bien sûr, l'équipe de Zonhoven, qui a remporté la Coupe de Belgique en 96 et qui, dans le championnat actuel, se trouve pour le moment à la troisième position derrière Roulers et bien sûr Mazeik. Delagne au service, un point partout. Oh, la réception difficile du Yougoslave. Et on va devoir jouer placé. La construction est facile, évidemment, maintenant pour Mazeik qui empoche là un deuxième point. Ah, ça joue vite et ça joue bien du côté des leaders et des champions en titre. Et toujours Delagne au service. Bonne réception de Bartels. Sont difficiles la passe. Et il avait bien joué le coup aussi Prats. Là ça sort et attention, 3-1 pour Mazeik. On avait quelque peu perdu les pédales sur une remise difficile de la part du passeur Latouine. Et c'est Mazeik qui prend le point. 3-1 donc pour Mazeik. Cette fois-ci la passe est très bonne. On a joué les mains du bloc et récupération de service Zonhoven. Relijic au service, le Yougoslave numéro 10, service smashé, ça passe bien, bonne réception de Klok, la passe un peu difficile parce que cela sort du côté de Reisman. C'est bien pour la première fois depuis le début de cette partie, c'est Zonhoven qui prend l'avance à 4-3. Service Mazeik qui est donc revenu à 7 partout, Relijic, la réception était bonne, la passe aussi elle est excellente même, et Verstuyft qui ponctue malgré la défense de Klok. Service Mazeik, toujours mené 9-7. La passe était bonne. Kovac, là-bas, le nouveau venu dans l'équipe de Zonhoven, qui n'a pu redresser valablement ce ballon. Mais là, il intervient bien, le grand Bosniak. On construit à nouveau du côté de Mazeik. Klok, subtil, la manière dont il a joué les mains du bloc. On va revoir ça. Parce qu'il avait un bon bloc de deux joueurs devant lui. Et il a vraiment super croisé pour jouer le block-out. Mené 11-10. Les joueurs de Mazeik sur le service de Reimann. Est-ce que la défense peut récupérer ça? Beaucoup de combativité de la part de Latouine. Mais on peut construire évidemment du côté de Mazeik. Et le missile de Rooks en courte avec le passeur. Reinen, bien vu évidemment. 11 partout. On vient de faire monter au jeu cet homme, Geert Palmers. Pour le service du côté de Zonhoven. Ça passe bien, ça met en difficulté la réception. Oh oui! Si ce ballon est dedans, et il l'est, eh bien c'est vraiment une bonne idée de la part du coach de Zonhoven. Heinen. Oh, petite balle qu'il a fait sauter, subtil. Bartels, c'est bienvenu, mais la construction est difficile. Pour Mazeik, pour Zonhoven, pardon. Elle est facile pour Mazeik. La défense est bonne de Verstuyft. La passe est frappe aux 3 mètres. Ballon qui sortait, bonne défense du nouveau venu. Oh oui, superbe, magnifique, vraiment. Sixième balle de 7 pour Zonhoven avec Verstuyft. Service mâché, la réception, c'est toujours Klok qui l'assure. Elle est souvent très très bonne. Bien vu, mais on était attentif du côté de Zonhoven. Attention, voilà! Premier set donc pour Zonhoven. Ils ont crânement joué leur chance. Les troisièmes du championnat actuel. Bravo, 1-7-0 donc. Dans le deuxième set, Zonhoven qui mène 8-6 avec un service Verstuyft qui a mis en difficulté la réception, mais ça c'est bien vu de la part d'Einen. La défense de Zonhoven aussi, on l'a touché du côté de la défense à Mazeik et Zonhoven mène donc maintenant 9-6. On revoit au service Jolats. Zonhoven qui mène 12-8. Ouais, la passe et la courte aussi, elle est belle. Toujours mené 12-9 les joueurs de Mazeik, mais ça c'est un bon service qui a mis la réception de Zonhoven en difficulté. Relijic qui a essayé de récupérer ça. Heinen en arrière, la passe, Weissmann, ça s'était téléphoné, pourtant ça marche. Et 12-10, Mazeik revient.
Oui, ils ont bien joué le coup là-bas, les joueurs de Mazeg. Vraiment, cette petite passe de Weissmans, elle était belle, dans le dos du bloc. 13-12 pour Mazeg, et toujours Relijic au service. De nouveau, des réceptions un peu difficiles, la passe est bonne pourtant. En défense, on va pouvoir jouer le coup et construire du côté de Zonovan. La touine, Bartels, évidemment, c'était trop difficile pour lui. Klok était là pour faire le bloc, Klok au bloc. Une des deux équipes est à 2 points du deuxième set, mais laquelle? Ça va revenir. Bartels, il ne devrait peut-être pas tenter sa chance, il l'a fait. Ça revient pour De Lange qui doit placer la two-in. Latz qui joue les passeurs et Bartels, mais il est en super forme, Bartels. Quel échange de nouveau, il y a une énergie étonnante dans cette finale. Et donc, Zonovan a 1 point du deuxième set à 14-13. Et service Versteegh. Ça passe bien, De Lange la réception est bonne, la passe d'Einen aussi, de la ligne arrière Weissmans. Attention, ce ballon est très important, c'est une balle de deuxième set pour Zonovan. Bartels, il est en forme Bartels, étonnant et pourtant ce joueur ne mesure qu'1m91. Et c'est le deuxième set, Zonovan mène 2-0 devant les favoris Mazeik. Mazeik qui mène 8-4 dans ce troisième set et toujours service Einen qui met en grande difficulté la réception adverse. Bartels, il frappe de loin, il frappe dans toutes les positions. Weissmans aussi, ça sort. Mais la défense de Jolatz qui envoie le ballon au plafond. Et attention, Zonovan en danger. Mazeik mène 9-4. 7-13, Zonovan et Bartels tentent de revenir. Ça, c'est un peu trop long. Il peut frapper, bien sûr, Kovac. Le tout grand, il fait 2m7. Le tout grand Kovac, il est bosniaque. Et voilà, là c'est un point intéressant pour Zonovan qui revient à 8-13. Et service Bartels, sa série continue, la réception de De Lange un peu approximative, la passe d'Einen tout juste par rapport au filet. Le bloc de Kovacs, on peut construire, Litouin, parfait, bien vu. Ça revient chez Klok le néerlandais, ouais le bloc était là mais il met dehors. Balle de 7 donc, et Klok, c'est puissant, Bartels a les réceptions du côté de Zonovan. C'est pas toujours ça, voilà, évidemment, ça c'était un peu naïf, évidemment, aussi. Relijic, il est bienvenu au filet, mais le bloc adverse, le bloc de Mazeik était là. Et lui permet de remporter un premier set. Zonovan mène toujours 2-7-1. Et Mazeik qui poursuit sur sa lancée du troisième set, puisque dans le quatrième, il mène 9-3 maintenant. Sur ce service de Klok, ah, Zonovan n'y est plus. De Lange, service pour Mazeik à 11-3. Autant dire que les carottes sont cuites dans le troisième, dans le quatrième set à mon avis et qu'on s'achemine vers le cinquième. Klok, superbe. Et malgré la défense de Latouin, c'est en surclassement que Mazeik va bientôt s'imposer dans ce quatrième set. Et la balle de 7 donc. Klok toujours, la réception de Relijic, elle est bonne. Est-ce que ça va être difficile à sauver? Effectivement, il a dû surgir de la ligne arrière, Schmidt, mais c'était peine perdue puisque le bloc de Mazeik l'attendait et donc on n'aurait pas pu le croire en début de match. 2-7 partout, on va jouer le cinquième et au tie-break. À 2-1, service Mazeik avec Einen, Vital Einen, des réceptions toujours aussi difficiles du côté de Zonovan. Schmidt qui a placé la défense de la two-win bien. Et des 6 mètres, il surgit là comme un diable, Bartels. Ça revient, Weissmans, bonne défense une nouvelle fois de Bartels, un joueur qui est venu de Mazeik la saison passée. Le bloc qui met ce ballon dehors. Et Mazeik mène maintenant 3-1 dans ce tie-break. Qui est le système de tie-break, qui signifie que l'on ait le service ou non. Si on remporte l'échange, on marque le point. Bartels par exemple, voilà. Belle illustration, Zonovan revient à 3-5. Raymond au service, Traoré, cette approximative difficile pour le passeur Latouin. Traoré encore, passe arrière à Relijic, bien vu, belle défense aussi de Klok. Et Klok à nouveau, superbe. Ah, il est en train d'offrir la coupe à Mazeik, ce néerlandais. 7-3 pour Mazeik. Latouin, Zonovan menait 4-7. Ouais, bonne réception de De Lange. Et la frappe de Klok de la main gauche, il évite le bloc. Comme à l'entraînement, pour le moment, Mazeik fait ce qu'il veut et mène 8-4. Et on change de camp. Relijic au service. Excellente réception. C'est banal, vous me direz. Et quelle frappe! Oh, un obus, une fusée, un missile, tout ce que vous voulez. Une prune en français dans le texte. Rayman, superbe, vraiment. Et donc 9-5 pour Mazeik.
Bartels, c'est le seul titulaire de l'équipe nationale appartenant à zone Oven. Du côté de Mazeik, il y a en général 5 titulaires dans l'équipe nationale belge. Bonne défense de Rally Hitch. Et oui, une belle frappe de Smith. Zone Oven qui revient à 8-10 là. Ah, c'est important ce point de Smith. 11-8, service Heinen. Et Louis, alors que c'est le tie-break, il continue à prendre quelques risques au service. Il n'aurait peut-être pas dû. On peut à nouveau construire du côté de Mazeik, une frappe de Weissmans. Belle défense de Relijic, la passe de Latouille, le Bartels en puissance pour faire 9-11. Ah, ce Bartels, il aura frappé sur tous les ballons ce soir. Deux points de retard toujours pour Zonoven, mené 10-12. Il prend des risques sur son service, ça c'est étonnant dans un tie-break. Palmers, clock de la main gauche, bonne défense excellente même du Canadien Smith. Allez, le droit de main dans Bartels, est-ce que ça sort la décision du juge de ligne? Oh là 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 là, ça c'est un point, une décision extrêmement importante de la part de l'arbitre. Dans le doute, on s'abstient. Ballon que l'on remet, Palmer est toujours la même prise de risque sur son service. Bonne réception de line, Weissmans. Blockout, ça sort, bien que ce soit touché par Relijic. Et attention, 13-10 pour Mazeik. Raymond. Et deux points encore seulement. Oh oh oh, eh bien il en faudra encore maintenant. 11-13, Mazeik a deux points du cinquième et dernier set. La passe d'Einen, ça va être goal, ça. En tout cas, ça va être point. Non, belle défense de Jolaatz. Smith, à l'aile droite, on s'est approximatif pour Relijic. La construction sera facile du côté de Mazeik. On ne joue pas la courte, mais on feinte. Et Weissmans qui ponctue ce joli échange et cette belle passe d'Einen. 11-14, 14-11, balle de match pour Mazeik. Et c'est l'ancien joueur, ironie du sort, l'ancien joueur de Zonoven qui a la balle de match pour Mazeik au bout des mains. La construction du côté des tenants de la coupe et des leaders du championnat. Le passeur qui a laissé à Bartels, le bloc de Roux, et voilà. Envahissement de terrain, les joueurs de Mazeik et les supporters fous de joie évidemment. Mazeik remporte donc une deuxième coupe de Belgique consécutive. Et Zonoven s'incline alors qu'il avait fait le plus dur en remportant les deux premiers sets. Ce match s'est donc joué en 5-7, 2 pour Zonoven et les 3 suivants pour Mazeik. Et on enchaîne avec la finale dames entre les filles de Tongres et celle de Kildrecht. Kildrecht en blanc, Tongres en bleu, une finale qui sera aussi normalement très très intéressante. Et déjà 8-0 dans ce premier set service Kildrecht. 8 pour Kildrecht bien sûr. Bien joué de la passeuse polonaise, 38 ans. Et ça ne suffit pas qu'elle frappe un petit peu de mule là-bas de la part de Barinova. Alors qu'au départ, eh bien, le sauvetage de Sliwinska n'était pas mauvais du tout. Service donc pour Barinova, mais Tongres toujours mené 0-9. Une belle frappe et un block out. Une frappe de la numéro 5, Tania Shmakova. Il y a une Russe, une Ukrainienne, une Polonaise à Kildrecht. Et de l'autre côté, il y a une Polonaise, une Ukrainienne, une Russe et une Néerlandaise du côté de Tongres, qui est menée 0-9. Service pour Fedotova, Yana, Ukrainienne, 25 ans, 1m90. Ouais, ça, c'est bien vu aussi de la part de Tatiana Teterina. Oh, bien joué aussi de la part de Barinova. Eh bien, ce sont pour le moment les joueuses de l'Est qui font le spectacle. Et un petit point tout de même, le premier de la partie. 1-10 pour Tongres. La passeuse, Snowart, elle ne fait qu'1m73. Son service a mis la réception de Tongres en difficulté. Ça revient, mais on va pouvoir construire, oui. Une réception tendue, bien vu, hein, ça. Là aussi, c'est joli parce que du côté de Horens, la numéro 9, sa manchette vers la passeuse était semi-tendue. Et c'est ça qui a permis une attaque rapide, 11-2 pour Kildrecht. Service pour Tongres avec Driskens toujours sur Horens. Oh, la passeuse a bien redressé ça, mais c'était difficile pour Horens. Elle s'en est bien sortie. À l'aile gauche maintenant, Baroniva. Bien joué. Et donc, tout doucement, très doucement, Tongres revient. 5-12. Horens. Stewinska. On a joué la croix. Elle s'est présentée derrière la passeuse plutôt que devant la numéro 6, Peters, mais ça n'a pas marché. Et 13-5 maintenant pour Kildrecht qui a le service. Sliwinska la passe à l'aile gauche avec Baroniva. Difficile de jouer le bloc, on s'est beaucoup battu du côté de Snowart. De Carnel va placer. Driskens l'a bien vu, Sliwinska encore, on joue la courte, c'est manqué.
Avec Peters, ah oui, était-ce une courte montante, était-ce une courte descendante, les deux ou aucune des deux. Et en attendant, c'est une balle de premier set pour Kildrecht qui mène 14-5. Sliwinska qui redresse, mais vraiment, elle n'y croit plus, elle non plus. On va pouvoir construire. Snowart qui place, ah oui, joli. Eh bien, on est habitué à ce genre de petits ballons placés quand on filme les filles de la Calamine avec la passeuse Gabi Goossens. Là, elle a bien vu aussi Catherine Snowart, 31 ans. Elle est petite, 1m73 la passeuse, mais elle a de la suite dans les idées. Et un premier set assez facile pour Kildrecht. Service, Virginie Lecarne, qui ne sert plus smasher, dirait-on. Ballon flottant, assez plat. Sliwinska à Kazin, c'est dehors. Horens au service pour Kildrecht, c'est long, mais ça ne sortait pas. Sliwinska en arrière et toujours au 3 mètres, une frappe de Baroniva. Attention, Kazin, elle prend des risques. Snowart, la passe de nouveau, 3 mètres à De Carne. Ah, un ballon très disputé. Alors, le service à Tatiana, non. Ashmakova qui joue les mains du bloc et qui reprend le service. Service Snowart, 7-6 pour Astérix Kildrecht. On a feinté la courte au centre, on va revoir ça parce que c'est joli. Je pense que c'est Fedotova qui est venue feinter l'attaque en courte au centre. Et derrière, à l'aile droite, eh bien c'est, me semble-t-il, la numéro 11, Driskens, qui a récupéré ce ballon. Là voilà Driskens au service. Balle d'égalisation peut-être pour Tong. Grande carne, elle est puissante, on peut se réorganiser. Mais c'est souvent un peu hésitant, un peu brouillon du côté de Tong. De Carne encore, qui relance sur Snowart. De Carne à l'aile gauche, elle croise bien, bonne défense de Driskens, Sliwinska et Fedotova qui doit placer, pousser malgré la détente de la numéro 3 Teterina. Eh bien c'est un point joliment gagné par Tongre qui revient à 7-7. Tongre mène 9-7 et au service Fedotova, 1m90, c'est une des plus grandes sur le terrain aujourd'hui. Bien vu, belle défense aussi de Driskens. Sliwinska en seconde main, Teterina c'est un peu long, Snowart la passe à Horens, Kildrecht reprend le service, mené à 9-7. La polonaise Choinaka, bon service, assez plat, la passe vers Baroniva, bonne défense de Horens, Snowart qui se précipite pour récupérer et laisser à la même Horens, bonne défense de Cécile Kazin, Baroniva a glissé, Sliwinska doit se précipiter aussi. On peut construire du côté de Kildrecht, de Carne, oh j'allais vous dire c'est sans pardon. C'est dehors, mais on estime que le bloc a touché et donc égalisation 9 partout. Driskens, 19 ans au service. Snowart, est-ce qu'on joue la courte? Non. De nouveau, on préfère jouer le Carne. Oh là là, ça c'est très impressionnant, mais il y a pas mal de choses dans cette phase. D'abord, une parfaite réception. Snowart qui ne laisse pas le ballon à Choinoka qui vient en courte. Elle préfère laisser à l'aile gauche pour De Carne. Et elles vont essayer d'y croire jusqu'au bout. Bonne réception de Shmakova. De Carne, elle va placer sa santé. Driskens, bien anticipé. Sliwinska, quelle frappe de Baroniva. Mais bonne défense de Snowart. La passe à Horens. De nouveau, une très très bonne défense cette fois-ci de Fedotova. Teterina qui va placer. Sliwinska encore. Ballon bien disputé. Sliwinska, bien vu. C'est peut-être pas terminé. Ce sera difficile pour Choinaka. Et 13 partout. Elles sont menées 13-14, les filles de Kildrecht. Sliwinska, on joue la courte, bien vu. On va revoir ça parce que, en termes de réception, elle ne l'a pas fait en manchette. Elle l'a fait en passe haute, ça a accéléré évidemment l'échange. La passe était bonne et l'attaque en courte aussi. Et de nouveau, une balle de 7 pour Tongre. Deuxième balle de 7 et pour Saskia Peters cette fois-ci. Shmakova, toujours des bonnes réceptions. Snowart, on joue la croix avec Teterina. La construction du côté de Tong, Driskens est là, oh là 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 là, elle a pris des risques parce qu'elle avait une balle de 7 au bout de la main droite et elle s'est trouvée face à un bon bloc composé de Snowart et de Teterina. Horens est donc déjà deux balles de 7 sauvées par Kildrecht. De nouveau on joue la course, ça va être difficile, le ballon n'a pas touché terre. Mais on peut construire avec Teterina en courte arrière, oui le bloc de Driskens c'était bon. Snowart à l'aile gauche cette fois-ci, Shmakova ça sort. Troisième balle de 7 pour Sliwinska cette fois-ci. La passe de Snowart à l'aile gauche, voilà. Eh bien le suspense va perdurer. 15-13 donc pour Tongre, bien joué de la part des filles de Tongre. Elles ont vendu crânement leur chance dans ce deuxième set.
Peters, petit service placé. Schmackova est attentif. Snowart. Oh, oh, oh là 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 là. Ça, c'est sans pardon. On revoit. Excellente réception de Schmackova. Snowart, la passe était un petit peu basse, mais elle va la chercher. Elle la met derrière elle et sans se poser de questions. Tatiana Teterina qui vient ponctuer et récupérer le service à 9-4 pour Kildrecht. Et récupération de service tendre maintenant. À 12-7 de Karn au service, service assez plat. Dubinska et de la ligne arrière Fedotova. Bien vu, sa bonne défense aussi de Schmackova. Et Horens qui place et qui fait le point. Un point très très important. Lui aussi âprement disputé parce que du côté de Tongre, on avait bien joué le coup. Mais en défense, Schmackova, c'était parfait aussi. 13-7 maintenant pour Kildrecht. Et c'est peut-être pas terminé avec Dubinska. Parinova, bonne défense de Choinaka, Teterina et Oren, ça va être difficile. 13-7, Kildrecht à 2 points du 7, ça ne sort pas. Driskens qui remet à Shlikova, c'est difficile ça. Oren, ah oui, de suite on joue Schmackova, bien vu. Bien vu de la part de la grande Oren, 28 ans, 1m81, plutôt que de remettre à la passeuse, elle a remis directement à Schmackova. 14-7. Et donc balle de 7 pour Kildrecht. Parinova, bien vu. Snowart, derrière de Karn. Oh là 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 là. Phénoménal, vraiment. La prise d'élan de Karn. La détente qu'elle a. La précision dans la frappe de la main gauche. 15-7 donc. Et un deuxième set conquis par Kildrecht. Service Fedotova. Il est bon ce service. Il a mis Schmackova en difficulté. C'est assez rare. Fedotova encore. Ouais, on a cherché la courte. Sliwinska, ça va être difficile pour Barinova. Sliwinska encore de la ligne arrière. Kazin parfait sur Choinoshka Teterina en seconde main. Bien vu de la part de la grande Teterina, la russe d'1m85. De Karn au service, Kildrecht mène 8-7. Sliwinska redressé pour Barinova dans le couloir. De Karn était bien placé en défense. Snowart. À Horens, la défense de Kazin. C'est encore Kazin qui doit remettre ça. On peut construire du côté de Kildrecht en courte arrière, non. Horens, oh oui, défense à 3 presque là-bas. Avec Kazin et maintenant Fedotova. Schmackova, de nouveau un ballon très disputé. Bien vu de la part de la passeuse Snowart en seconde main. Elle a placé ni le bloc ni la couverture du côté de Tongre. Le suivait 9-7 pour Kildrecht. Et 13-10 maintenant. De nouveau une bonne réception, donc la passe devrait être bonne. De la ligne arrière, ça ne passe pas, attention. 14-10 et donc maintenant une balle de match pour Kildrecht. Barinova a frappé, mais trop bas, ce ballon n'est pas passé. Et donc ce privilège échoue maintenant à la russe Tatiana Teterina. Hop, la réception n'était pas très bonne. Peters vers la jeune Heilen. Sliwinska de nouveau à l'aile gauche. À mon sens, le ballon n'était pas passé. De toute façon, il est sorti maintenant. La Coupe de Belgique, donc. Et choix à Kildrecht. Scène de joie d'un côté et classiquement, bien sûr, de déception et de désolation de l'autre. C'est donc Astérix Kildrecht qui emporte la Coupe. Elle l'avait déjà emportée en 96. La Coupe de 98, donc, au détriment d'Isola Tongre. Handball à présent avec une finale messieurs opposant Hasselt à Merksem et une finale dames opposant elle les filles du féminin visé à celle de Nerpelt. On retrouve aux commentaires de ces deux résumés Patrick Michaud. Coup d'envoi de cette finale de la Coupe de Belgique entre le féminin visé et le Sporting Nerpelt. Féminin visé évolue ce soir en maillot vert alors que l'équipe de Nerpelt évolue en maillot bleu short blanc. Alors tout de suite une première offensive pour le féminin visé dans cette rencontre. Une équipe du féminin visé au grand complet avec un premier essai et un premier but signé Cécile Grandjean. Un but de l'arrière droit de cette formation visétoise. Et donc c'est l'ouverture du score par Grandjean pour le féminin visé 1-0. On joue depuis 5 minutes, le score est toujours de 0-1 en faveur du féminin visé. Les visétoises vont déclencher une nouvelle offensive avec Julie Rasson et Sylvia Laurence Gaillet pardon, sur l'aile gauche. Julie Rasson maintenant vers Gaillet, alors Gaillet en un contre peut-être, non elle préfère rejouer. En arrière maintenant, à l'arrière-centre, là Cécile Grandjean pour son deuxième but personnel.
C'est son deuxième but de l'après-midi à Cécile. Julie Rasson avec Cécile Grandjean, auteur de deux buts. Cécile, Laurence Gaillet maintenant sur son aile gauche. Et Grandjean à nouveau, et cette fois à côté. Le coup de coin donné par Laurence Gaillet, Julie Rasson. La balle à droite maintenant avec Grandjean. Alors Grandjean, tentative d'infiltration dans la défense limbourgeoise. Et le jet de 7 mètres obtenu par Cécile Grandjean. Suite à cette tentative d'infiltration dans la défense des joueuses de Nerpelt. Pour tenter de convertir ce jet de 7 mètres, Véronique Bella se présente face à Cindy Shepherds et le but de la Camerounaise. C'est le troisième but du féminin visé et c'est 3-0 maintenant pour les visétoises. Autant dire qu'elles sont très bien parties dans cette finale de Coupe de Belgique. Je vous rappelle que les joueuses de visé ont défait en demi-finale Arena Hechtel au terme d'un match retour assez impressionnant de la part des joueuses de visé. À l'instant où elle récupère le ballon, alors une passe en avant vers la Camerounaise Bella et maintenant Laurence Gaillet. Julie Rasson maintenant pour un assist là en direction du pivot. En l'occurrence Carla Wynne-Molders et un nouveau jet de 7 mètres est obtenu par les joueuses de visée. Bella à nouveau face à Shepherds et le deuxième but personnel de Véronique Bella. C'est le quatrième de visée qui mène 4-0 après 7 minutes. La composition de l'équipe de visée est la suivante. Dans les buts, Sylvia Zoller. Aux arrières, la Camerounaise Véronique Bella et donc Cécile Grandjean. Julie Rasson à l'arrière-centre. À l'instant où l'ailier droit, ou plutôt l'ailier gauche, Laurence Gaillet, vient d'inscrire un nouveau but pour visée. Visée qui mène 5-0. Donc, quel départ idéal pour les joueuses wallonnes. À l'instant où je vous disais donc que Laurence Gaillet occupe le poste d'ailier gauche, alors que l'ailier droit est Sylvia Theys. Nerpelt à l'attaque, interception de balle de Gaillet dans le 1 devant. Elle joue très haut, Laurence Gaillet, pour tenter de gêner au maximum les attaques limbourgeoises, avec une faute commise là-bas. La balle à droite avec Esther Ingels. Et maintenant un but et c'est le premier but inscrit par Nerpelt ce soir. Un but inscrit par l'intermédiaire de Marie Van Noudenhove. C'est donc le premier but limbourgeois. Le score 1-7. Véronique Bella. Non. Laurence Gaillet, Véronique Bella. Vers Julie Rasson. On tente de circuler, on va accélérer le rythme des échanges une fois de plus avec Cécile Grandjean à la conclusion. Eh bien, c'est son troisième but à Cécile Grandjean. Elle est assez efficace depuis le début du match. C'est le huitième but de visée qui mène, rendez-vous compte, déjà 1-8 et ce après 12 minutes de jeu. C'est assez alarmant pour Nerpelt. Alors, comment les joueuses limbourgeoises vont-elles réagir? On n'en est pas encore là, puisque Cécile Grandjean vient à nouveau d'inscrire un but vraiment très efficace et perspicace. Cécile, c'est son quatrième but ce soir, plutôt cet après-midi. Le score 1-9 après 14 minutes. À la distribution du côté limbourgeois, Connie Shepherds, la voici. Vers Marie Van Noudenhove qui vient d'inscrire, elle, son deuxième but et qui réduit quelque peu le score à 2-9. C'est bien joué, un tir en appui du numéro 10, Marie Van Noudenhove. Elle a 28 ans, cette joueuse limbourgeoise. Visé va peut-être repartir de plus belle, 2-9, 7 buts d'avance. On joue depuis maintenant 14 minutes, Julie Rasson. Perte de balle de Julie Rasson. Le contre rapidement joué là-bas, oui. Par Connie Shepherds qui cède bien. C'est bien fait. Elle a bien cédé au pivot Grete Simmons en zone de conclusion à la zone des 6 mètres.
Et le score passe maintenant à 3-9, mais bien évidemment toujours à l'avantage de Vizé. Julie Rasson, Laurence Gaillet. La balle vers la droite maintenant, une formation de visée très à l'aise depuis le début de la partie. Rasson qui trouve en position de pivot Carla Wynne-Mulders. Joli le geste technique, mais une faute est sifflée et un jet de 7 mètres obtenu. Alors qu'une des joueuses limbourgeoises écope de 2 minutes. Alors nouveau jet de 7 mètres, on a changé de tireuse. Et oui, c'est un but. Un but cette fois signé Sylvia Theis sur ses jets de 7 mètres. C'est le 12e but de visée, c'est le premier but de Sylvia Theis. Pas trop de mal pour le moment. 5-12, 7 buts d'avance vraiment. Comme à l'entraînement, les joueuses visétoises, elles ont pris vraiment ce match très au sérieux, semble-t-il. Avec Sylvia Theis pour la rentrée de touche, Julie Rasson, Véronique Bella, Laurence Gaillet. Ah, ça tourne bien côté visétois avec un superbe assist de Julie Rasson. Et c'est bien fait en direction de Carla Wynne-Mulders, une joueuse de 26 ans, ce pivot visétois. Le score 5-13 à moins de 11 minutes de la fin de cette première période. Lynn Verbeke, Connie Shepers, Marie Van Oudenhove, Esther Ingels, des joueuses limbourgeoises. Marie Van Oudenhove pour une tentative là-bas, et c'est bien fait de Marie Van Oudenhove qui vient d'inscrire son 3e but personnel en position d'arrière droit. Véronique Bella, oh superbe l'assist vers Émilie Pelser et le but. Oh quelle belle combinaison entre Véronique Bella et la jeune Émilie Pelser. C'est bien réalisé vraiment. 6-14 pour viser. Esther Ingels, Connie Shepers, alors que Laurence Gaillet est remontée au jeu. Et elle tient en individuel Marie Van Oudenhove, la meilleure réalisatrice limbourgeoise. La voici Van Oudenhove, elle s'élance pour le but, oui. Ah, c'est bien fait, un très beau tir puissant sur lequel Sylvia Zoller n'a rien pu faire. Le score 7-16. Visé avec Véronique Bella, et cette fois, une belle interception là, du dernier rempart limbourgeois. La rentrée de touche pour Nerpelt, avec maintenant en position d'arrière-centre Marie Van Oudenhove, un meilleur buteur de cette équipe. La voici, Marie Van Oudenhove, alors peut-être pour un essai. Non, elle a préféré céder à droite et une faute est obtenue par Connie Shepers qui occupe maintenant la position d'arrière-droit. Mais c'est bien normal puisque Nerpelt est en infériorité numérique en ce moment à 5 contre 6 dans le champ. Avec là un essai et un but. Ah oui, c'est bien fait ce but de l'arrière-gauche limbourgeoise qui permet donc à Nerfelt de réduire le score à 8-16. On joue depuis 4 minutes dans cette seconde période. Le score n'a pas bougé depuis la fin de la première mi-temps. Toujours 8-16. Les joueuses de visée à l'offensive avec Julie Rasson toujours à la manœuvre. Cécile Grange en position d'arrière-droit. Véronique Bella position d'arrière-gauche. La voici Bella. Superbe l'infiltration au sein de la défense, quelque peu passive de Nerpelt. Et le score grimpe maintenant à 8-17. Un score qui prend véritablement des allures de correction pour les limbourgeoises. Julie Rasson, Véronique Bella, Laurence Gaillet, ça circule bien du côté de visée. 8-18, on joue depuis 7 minutes dans cette seconde période. Et le 19e but inscrit, oui. Inscrit par Sylvia Theis sur l'aile droite, elle s'est bien démarquée. Il reste 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Autant dire que le féminin visé va remporter cette finale de la Coupe de Belgique. Un match déjà dominé d'un bout à l'autre depuis le début. Et visé va sans doute continuer son festival. Véronique Bella pour un essai. Et un but, un nouveau but signé Véronique Bella. Tout simplement splendide de Bella. 10-20. Van Oudenhove. Perte de balle. Le contre rapidement par Cécile Grandjean. En contre, lucarne du but. Ah oui, sans pardon au 6 mètres. Sans pardon pour Cindy Shepers, la malheureuse. Lynn Verbeke joue rapidement là vers
Vandenacker cède bien là à Esther Ingels, mais belle intervention de Cathy Zeghi qui venait de prendre place dans le but visé, toi, à la place de Sylvia Zoller. Eh bien, cette intervention permet à Visé de reprendre calmement le cours du jeu. 12-22 toujours, il reste un quart d'heure à présent. Dans un petit quart d'heure, les joueuses de Visé pourront brandir le trophée de cette Coupe de Belgique. Une équipe de Visé qui a participé 4 fois à la finale de la Coupe de Belgique ces 5 dernières années, avec seulement un petit succès. À l'instant où là, Cécile Grandjean se heurte à Cindy Shepherds. La voici, Grandjean. Alors peut-être le 23e but maintenant de Visé. Grandjean, wow, c'était bien fait, mais une faute obtenue, oui. Ah, on avait préalablement sifflé là. Le coup franc effectué par Véronique Bella. Julie Rasson, Cécile Grandjean. La balle à droite maintenant, Cécile Grandjean à nouveau. Et un essai de Gillissen à côté. Shepherds relance ses troupes rapidement. Ah oui, un beau renversement là sur la droite de Verbeke, mais l'arrêt n'en est pas moins superbe de Cathy Zeghi, vraiment. Une belle transversale là de Verbeke. Cécile Grandjean, peut-être pour un nouvel obus. Eh bien oui, dans la lucarne du but de Cindy Shepherds. Quel festival, vraiment. À 12-28, à moins de 2 minutes et 30 secondes à présent. Ah, quelle démonstration des joueuses de Visé. Elles n'auront pas déçu. Ah, ces filles qui sont toujours très bien préparées au grand rendez-vous par leur coach Edo Delic et Jean-Luc Dessart. Peut-être un 29e but, non. Une faute est obtenue sur ce coup-là par la jeune Catherine Tenissen. Va-t-il planter un 29e but sur cette action de jeu? Peut-être, peut-être pas. Une action individuelle là sur l'aile de Sylvia Theis en 1 contre 1. Et la conclusion une fois de plus. 12-29. À moins de 40 secondes maintenant de cette partie. Le score 12-29. Une dernière offensive labourgeoise. Oui, peut-être un but même. Non! L'intervention de Cathy Zeghi, mais un pénalty est sifflé en faveur de Limbourgeoise. Alors peut-être le dernier but Limbourgeois lors de cette finale. Avec un but de Linverbeke, oui, c'est le 13e de Nerpelt. Moins de 25 secondes, Julie Rasson seule dans l'axe pour un effort personnel, un de plus. Et c'est la 30e rose, s'il vous plaît. Ah oui, le public de Visé est véritablement au 7e ciel, si vous me permettez l'expression. Et voilà, avec Zeghi maintenant, la dernière action, il reste moins de 4 secondes, et voilà, c'est fini. Et voilà, les Visétoises remportent leur deuxième Coupe de Belgique en 6 ans, avant peut-être de rafler le titre de champion de Belgique dans une quinzaine de jours. Mais vraiment une superbe prestation des Visétoises qui n'auront jamais relâché la pression durant toute cette partie. Score final donc, et le féminin Visé qui remporte cette Coupe de Belgique sur un score de 13-30. Alors Julie, une superbe prestation aujourd'hui. Alors peut-être vous êtes victorieuse de cette finale de la Coupe de Belgique, peut-être avant de remporter le championnat. Oui, pourquoi pas, avec l'équipe qu'on a maintenant et comme on a joué aujourd'hui, je crois qu'on a de grandes chances de gagner les playoffs et j'espère de tout cœur qu'on va les gagner. En tout cas, vous avez vraiment survolé votre adversaire, vous avez survolé les débats dans cette finale. Oui, on était déjà favoris au départ et je veux dire qu'on a prouvé qu'on était meilleur et on a joué tout à 100%, on était très motivés et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette, c'est comme ça on a gagné parce qu'on était les plus forts. Vraiment, elles ont affiché une belle constance durant tout le match. Finalement, les plus difficiles, c'était de passer demi-finale contre Ektel. Aujourd'hui, c'était plus facile que prévu. L'équipe a très bien commencé le match. Je crois psychologiquement, on était bien préparé. On a bien joué.
je veux dire. C'était pas si difficile. Quoi. Après la finale féminine, la finale masculine entre les Limbourgeois d'Asselt et les Anversois de Merxem. Les Limbourgeois d'Asselt évoluent ce soir en maillot vert et noir, alors que les Anversois de Merxem sont en jaune et bleu. Alors tout de suite, l'équipe championne de Belgique qui vient de fêter son sixième titre de champion de Belgique de manière consécutive pour une offensive avec Jo Delpierre. Un premier coup franc dans cette rencontre, Luc Deltombe, arrière-centre de cette formation d'Asselt, le joueur francophone. Le voici, le numéro 17. À ses côtés, Dietart Huygen à l'arrière-gauche, le joueur de l'année 97. Et Jo Delpierre ici pour un premier essai de Jo Delpierre sur la transversale du but du Polonais Goliath. Une première offensive pour les joueurs anversois dans cette rencontre avec un Tom Wentz à la distribution. Un des fers de lance de cette formation avec l'arrière droit, Johan de Beveren. Le voici, Johan de Beveren. Alors de Beveren, que fait-il? Eh bien, il perd la balle. Récupération Limbourgeoise. Jo Delpierre cède très bien là vers Ken Denil. Ken Denil qui ouvre le score pour Asselt, qui mène 1-0 alors que l'on joue à peine depuis 2 minutes. Ouverture du score, signé Ken Denil. Composition de l'équipe limbourgeoise sur les ailes, Raphaël Holmes à l'aile droite et Mouyoudin Beslagic à l'aile gauche. Voici Raphaël Holmes, David Verachtert à l'arrière avec Johan de Beveren, Tom Wentz arrière-centre et au pivot, Errol Wevers. Récupération de balle limbourgeoise après un cafouillage à l'offensive des Anversois et Ken Denil qui vient d'inscrire son second but personnel. Il donne 2 buts d'avance à Asselt, c'est 2-0. Le coup franc pour Merxem, Johan de Beveren pour un essai et bien dévié là par Raf Biemans, le gardien substitut de Bartosson, se blesser. Et peut-être le but là, ouais, superbe ce but sur l'aile droite. Un but signé Raphaël Holmes, sans doute un des meilleurs ailiers droits du pays, faut-il le souligner. Le score 2-1 à l'avantage d'Asselt. Les champions de Belgique à l'offensive, Asselt champion de Belgique depuis la semaine dernière après cette double victoire face à Merpelt. Et là, c'est Luc Boiten qui a été trouvé en position de pivot. Magnifiquement servi Luc Boiten. Il donne déjà 3 buts d'avance à Asselt qui mène 4-1 après 10 minutes. Avec quelques changements déjà du côté d'Asselt. Visiblement, Jos Schutterden fait tourner son effectif. Et un but de Guy Smets en 1 contre 1. Il a passé Raphaël Holmes sur l'aile gauche. Et le score passe maintenant à 5-2. Coup d'œil à nouveau sur la composition de l'équipe d'Asselt. Avec sur les ailes maintenant Jovan Nissaut et Guy Smets. En position d'arrière toujours Dietart Huygen et Jo Delpierre. À l'arrière-centre Luc Deltombe. Et au pivot Luc Boiten. Le score 5-2. On joue depuis 10 minutes. Alors Huygen, que va-t-il faire? Il cède à Jo Delpierre pour Deltombe. Pour un superbe essai de Luc Deltombe. Ah, c'est son premier but de la soirée. Des tirs dont il a le secret, Luc, toujours idéalement placé. Ce genre de tir pour tromper un gardien. Le score 6-2. Le coup franc vers Dietart Huygen, Luc Deltombe, Guy Smets. Alors Smets peut-être pour un petit exploit individuel. Eh bien oui, c'est superbement fait. Non pas un exploit individuel de Guy Smets, mais un coup d'œil assez remarquable lorsque l'on voit cette passe adressée en direction de Luc Boiten. Et voici Asselt qui mène 7-2 au quart d'heure de jeu. Les Anversois de Merxem sont menés 7-3. Il reste 11 minutes dans cette première période. Vont-ils inscrire un quatrième but sur cette action de jeu? Peut-être par Tom Wentz avec un superbe mouvement de poignet de Tom Wentz. Une balle qui est partie de bas en haut et qui a fait mouche. Il réduit le score à 7-4 à l'avantage d'Asselt. Voici Wentz. Alors on temporise le jeu de côté anversois. On ne se résigne pas bien évidemment, il est encore trop tôt. Le score 7-4, 3 buts d'avance pour Asselt. Alors va-t-on assister à un petit retour des joueurs anversois? La réponse dans quelques secondes avec Beslagic qui joue à droite avec Raphaël Holmes. Beslagic encore lui, attention au marché là.
Tom Wentz, seul Tom Wentz, et le but. Eh bien, il va inscrire coup sur coup, deux buts Tom Wentz. C'est toute l'expérience qui parle. Et donc, Merksem revient à 7-5 et n'est plus mené que de deux buts. Les Anversois à l'offensive, ils ne sont plus menés que d'un but après un départ laborieux. Ils sont bien revenus dans la partie et le marquoir indique 8-7. Alors là, De Bever a tenté de trouver Wevers au pivot, mais un coup franc est obtenu par les Anversois. Wentz vers Beslagic qui recède à Wentz et le but, oh, magnifique, superbe cette assiste de Beslagic en direction de Tom Wentz qui vient d'égaliser pour Merksem. Eh bien, c'est formidable après un départ, je vous le disais, assez laborieux. Merksem revient dans le coup, 8-8. Ce n'est pas tous les jours qu'on dispute une finale de Coupe de Belgique, évidemment. Je vous rappelle que Merksem a été champion de Belgique en 1992. C'était les heures de gloire de l'équipe anversoise. Mais attention à la réaction maintenant d'Asselt après un relais entre Jodelpire et Luc Deltombe. Asselt reprend l'avance, 9-8 de Bévereux. Wentz en position de pivot et le but de Wentz, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette position de second pivot. Tom Wentz, et il égalise à nouveau pour Merksem qui fait vraiment une très bonne impression depuis une quinzaine de minutes à présent. Le score 9-9. Vous le voyez, l'ambiance est à la fête ici au hall du Phare puisque l'égalité subsiste, 9-9 entre Asselt et Merksem avant l'entame de cette seconde période qui s'annonce vraiment très palpitante. Luc Deltombe, Dietart Eugen en position d'arrière-centre, Jodelpire arrière-droit, Luc Deltombe arrière-gauche, Boiten en position de pivot, Van Lissout à l'aile droite et à l'aile gauche, Ken Denil. Luc Deltombe, il s'élance, Luc, et le but, très joli ce tir, c'est bien fait de Luc Deltombe, il permet à celle de reprendre l'avance à 11-10. Une équipe labourgeoise qui évolue en supériorité numérique suite à deux exclusions temporaires du côté de Merksem. À l'instant où le deuxième gardien de Merksem vient de réaliser un superbe arrêt, Tom Gossens qui vient de prendre la place dans le but à la place de Robert Goliath. Mais sur le tir de Delpire, il n'a rien pu faire. Delpire qui a inscrit le 15e but d'Asselt. 15-11 et il reste 21 minutes. Et un temps mort a été demandé par Gio Antonioli, le coach de cette formation anversoise, puisque ces hommes sont toujours menés de 4 buts, mais ils ont sans doute les moyens de revenir, comme ils l'ont fait lors de la première période. Merksem mené 16-12, il reste moins de 16 minutes. Igor Corvers à la distribution vers Tom Wentz en position d'arrière-gauche, de Bévereux arrière-droit. Il arme son bras gauche. Johan De Bévereux pour un envoi qui a fait mouche et donc réduction du score par De Bévereux, 16-13. De Bévereux, Corvers, Tom Wentz, Corvers encore, De Bévereux, il va s'élancer pour un nouveau but. Il vient d'inscrire deux buts consécutivement, Johan De Bévereux. Je vous rappelle, un des fers de lance de cette formation avec Tom Wentz. Et son essai vient donc de faire mouche, 17-14 à moins de 13 minutes. Asselt à moins de 5 minutes d'un nouveau trophée en Coupe de Belgique. Ce serait le 5e, moment où Deltombe obtient une faute. Vraiment de nombreuses fautes dans cette partie. Un jeu haché, même si on assiste tout de même à un match de bon niveau. Eugen, Gismet, et Gismet, superbe le mouvement évidemment. Ça tourne formidablement bien côté limbourgeois. C'est l'habitude des grands événements. Et évidemment, les supporters limbourgeois sont vraiment très satisfaits de la tournure des événements puisque je vous rappelle qu'en première période, le score était de 9-9. Dietart Eugen, Luc Deltombe, Jodelpire, Johan Van Lissout, Luc Boiten, Ken Denil, déjà champion de Belgique, et bien ils vont remporter cette Coupe de Belgique avec ici un but de Ken Denil de l'aile gauche. Très bien réalisé. Joli ce but de Ken Denil qui donne 7 buts d'avance à Asselt. Le score 22-15. 7 buts d'avance donc. Asselt, déjà champion la semaine dernière, va remporter le trophée de la Coupe de Belgique dès ce soir. Le score 23-15. Anvers repart.
Corver, c'est Tom Wens. Il a tenté de trouver Wevers au pivot. Tentative avortée et coup franc. Un de plus, Tom Wens, peut-être le tir à la hanche. Eh bien non, cette fois c'était en suspension. Un bel essai de Tom Wens et un but pour Merksem à 23-16. 23-17, 1 minute 30. Et c'est le travail accompli tout au long d'une saison qui va récompenser Hassel, une équipe ô combien constante et qui sait se motiver pour les grandes occasions, gérer un stress, mais elle est aussi également superbement gérée par Josh Shooterdon, son entraîneur, qui sait motiver ses hommes lors des grandes occasions. On l'aura encore vu ce soir, puisque Hassel aurait été rejoint en première période à 9 partout par une équipe de Merksem très accrocheuse. Attention, voici une action là, Wens, perte de balle, non. Je vous disais donc, une équipe de Merksem très accrocheuse et solide. Ils se seront battus jusqu'au bout, les joueurs anversois, avec notamment Johan de Bevere qui sort ici au gardien. Mais la reprise et le but, un très beau but signé Igor Corvers. Moins de 20 secondes, dit Tartegen pour un dernier but pour Hasselt. 24-18, ce sera certainement le score final de cette rencontre. Vraiment une équipe d'Hasselt remarquable, à l'image de son gardien d'ailleurs, ce gardien Bismans, qui aura étonné tout son monde ici. Vraiment, on aura assisté à une très belle finale masculine où Merksem battu n'aura tout de même pas démérité. Quant à Hasselt, c'est donc la constance, le travail, mais aussi le talent de ces joueurs qui aura payé. Et vous le voyez, vous les avez à l'écran, les joueurs de Hasselt, vraiment très heureux. Ils viennent d'accomplir le doublé. On termine avec du basketball en fauteuil roulant. Finale de Coupe de Belgique, messieurs, elle oppose les Liégeois de Rollerbulls aux Flandriens de Bruges. Et au commentaire, on retrouve Olivier Gaspard. La rééducation par le sport est essentielle. C'est-à-dire qu'on arrive à se dépasser soi-même. Bon, on a une activité physique très intense qui permet de pratiquer un sport de haut niveau, tout comme un chacun, quoi. Après leur accident, Marc, Fred, Jouan et les autres ont décidé de relever la tête, surmonter leur handicap en s'investissant pleinement dans le sport, dans la discipline qu'ils ont choisie, en l'occurrence le basket. Un travail de tous les instants, du courage, il leur en a fallu bien sûr pour surmonter toutes les difficultés inhérentes à leur handicap. Il y a plusieurs sortes de handicaps, il y a le handicap du paraplégique, la polio ou amputé. Ceci, évidemment, au niveau basket, c'est parfois difficile pour certains de gérer le fait d'une réception de balle. Par exemple, un paraplégique qui n'a plus d'abdominaux a des difficultés à réceptionner parce que lui, il tombe. Donc, il doit travailler énormément les dorsaux pour pouvoir se maintenir dans la chaise. Un travail spécifique est donc nécessaire. Musculation, power training, tout y passe, sans oublier la tactique, bien sûr. Les deux séances d'entraînement hebdomadaires sont assurément bien remplies. Mais en fin de compte, tous ces efforts sont récompensés, rien ne vaut le plaisir du jeu, la satisfaction d'évoluer en équipe. Aujourd'hui, les Rollersbulls sont en finale de la Coupe de Belgique. Ils sont habitués du fait et retrouvent comme adversaires les redoutables joueurs de Bruges, une équipe flandrienne détentrice des deux dernières éditions et dont les valeureux liégeois espèrent enfin prendre la mesure. Les deux dernières rencontres sont soldées par un échec avec un minimum de points. Il faut dire que cette année, on a une équipe beaucoup plus faible que les autres années, donc je pense que l'histoire va se répéter logiquement. Tout ça va dépendre de la motivation des joueurs. Je crois qu'on est bien préparé pour ce match. Un match n'est jamais gagné à l'avance. Gonflé à bloc, les deux équipes se battent sur tous les ballons. La coupe est à ce prix. Mais Bruges prend d'emblée la direction des opérations. Après 7 minutes de jeu, les Flandriens mènent déjà 6-4. Le basket en chaise roulante est spectaculaire. Les différences avec son homologue valide sont peu nombreuses. Si ce n'est que le fait même de circuler en chaise limite les options tactiques. La chaise, il faut en tenir compte. Le fait que ils doivent se mouvoir avec cette chaise, elle prend plus de place. Donc il faut penser. Les blocs sont différents aussi. La position du joueur pour faire un bloc est différente. Au niveau phase de jeu, ici c'est surtout on joue surtout pick and roll, des blocs pour jouer à intérieur ou alors des shots extérieurs raquettes. Mais par exemple, il y a des phases que vous jouez en valide, que vous ne savez pas jouer en moins valide parce qu'il y a toujours ce problème de chaise qui prend de la place.
Mais revenons-en au match. Tout réussit assurément aux Brugeois. Après 15 minutes de jeu, les Flandriens creusent l'écart, 15 à 7. Les Rollers Bulls tentent de réagir, mais leurs shots sont imprécis. Ils manquent de mobilité. Résultat, Bruges accentue encore l'écart et mène de 10 points déjà à la mi-temps. Le score 23 à 13. En seconde période, les Rollers se rebiffent, mais Bruges réplique du tac au tac, les supporters brugeois subodorent déjà la victoire. À Bruges, un homme fait essentiellement la différence. Didier Vermassen, grand par la taille, il plante quelques paniers à Sassa. À 5 minutes du terme, le score passe à 37-27, les Liégeois continuent à se battre, mais leur manque de réussite au shot leur aura coûté cher. Bruges s'impose finalement 43-28. On était un peu faible au niveau du shot, on n'avait pas assez de jeu intérieur, ils ont bien joué en défense, bien agressif sur le porteur du ballon, on n'a vraiment pas su réaliser notre jeu de shot. Et c'est là qu'en première mi-temps on a perdu une dizaine de points, qu'on a couru, on a couru, on a couru après, et ça nous a essoufflé, et on est tombé à 12 points ou à 14 points, je ne sais plus. Bruges remporte donc une troisième coupe de Belgique d'affilée. Précision dans les tirs, vitesse d'exécution, tout y est, la victoire est méritée. Mais quelque chose nous dit que l'année prochaine, les Rollers seront de nouveau présents au rendez-vous, histoire de mettre fin une fois pour toutes à la suprématie brugeoise. Voilà, le hall du père à Wénier aura vraiment vécu beaucoup de moments émouvants et intéressants, excitants aussi ce week-end-ci. La semaine prochaine, nous vous donnons rendez-vous dans un tour de salle qui sera très différent, mais qui sera tout aussi intéressant, si pas plus. Merci d'avoir été fidèle à Tour des Salles si longtemps ce soir. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Pensez que votre rasoir habituel rase avec autant de confort que Gillette Sensor XL? Ben oui. Alors essayez Sensor XL. Un seul rasage et nous parions que vous abandonnerez votre rasoir ordinaire. Parce que seul Sensor XL possède des lamelles protectrices pour un plus grand confort. Wow. Et deux lames qui s'adaptent automatiquement à votre visage pour une plus grande précision. Mmh. Relevez le challenge Sensor XL. S'il vous plaît. Nous parions que vous abandonnerez votre rasoir ordinaire. Hey, rendez-moi mon Sensor XL. Hey, hey. En 1997, Dortmund devenait le dernier vainqueur de la Champions League. En 1956, Madrid était le premier champion d'Europe. Entre ces deux dates, toute la fabuleuse histoire du foot. Mais mercredi, entre le Borussia et le Real, il n'y aura que deux buts de différence. Alors, un exploit allemand, la confirmation espagnole, une seule réponse, Eurosport 21 à 20h30. Retrouvez en direct le championnat du monde de Superbike avec Suzuki. Ride the winds of change. Quelques nuages sur le circuit de Darlington avant la dernière course du week-end, la deuxième manche Superbike. On va faire le point très vite sur l'arrivée de la première course de la saison.